Salut la famille, j'espère que vous allez bien mes frères et sœurs. Donc, Saint-Fombaldé prépare une nouvelle bombe aussi. Donc, maximum de partages et de likes, s'il vous plaît, quand vous regardez. Vous allez voir à la fin les bombes de Saint-Fombaldé qui est en train de préparer l'artiste Saint-Zeni. Il y a autre fils Saint-Fombaldé. Mais aussi, on va parler les retours de Steve Wallock. Steve Wallock, excusez-moi, donc il est de retour. On va parler de lui, vous allez voir en tout cas son nouveau clip. On va parler aussi de quelqu'un qui s'appelle Dina Khan, en tout cas, qui est venu pour affronter Saint-Fombaldé, un artiste guinéen. Vous allez voir parce que vous allez se régaler aujourd'hui. Aussi, on va parler de Sidiki Diabaté et Keblack, en tout cas, qui va sortir un nouveau clip bientôt. Donc, déjà, regardons, commençons par Sidiki Diabaté et Keblack, la famille. Donc, Sidiki Diabaté et l'artiste français Keblack, ils sont en studio en ce moment, ils préparent en tout cas un son qui va sortir bientôt. Déjà, ils vont faire les clips bientôt aussi. Donc, ça se passe en France, la famille. Donc, j'espère qu'en tout cas, les fans de Sidiki Diabaté, vous êtes là. Préparez-vous parce qu'il y a du lourd qui arrive. Sidiki Diabaté, Keblack, ça va être lourd, la famille. Ça va être magique et magnifique. Maintenant, on va parler en tout cas de Dina Khan. Un nouveau artiste guinéen qui vient d'arriver sur les Marseille guinéens. Donc, vous allez voir parce que lui aussi, il est bien. Voilà mes frères et sœurs, donc vous avez regardé Dina Khan, donc c'est un artiste guinéen qui vient d'arriver. Est-ce qu'il peut affronter Saint-Fombaldé? Est-ce que Mouaï affronte de Saint-Fombaldé Dina Khan? Parce que quand il y a des gens qui ont dit qu'il y a des gens qui ont dit Saint-Fombaldé, donc il y a des gens qui ont dit qu'il y a des clips. Mais là on va parler en tout cas de Nombadji. Ouais, l'histoire guinéen Nombadji prépare aussi un clip qui va sortir avec son petit frère. Regardez, on a eu un petit Nombadji. Je pense que ça va être drôle. Nombadji et deuxième Nombadji. Donc il y a des gens qui ont dit qu'il préparez-vous. Parce que ça arrive. Maintenant, on va parler de Steve Wallock. Ouais, Steve, il avait disparu sur le marché guinéen de la musique guinéenne. Mais là, on retrouvait Steve. Vous allez écouter un peu. Faire mieux que d'habitude, pour que ça marche, il faut moins essayer. Le retour de Steve Wallock, parce que ça fait un moment les gars il est disparu, mais en tout cas on a retrouvé Steve Wallock. Donc là il prépare un clip qui va sortir bientôt, donc on va voir est-ce que du coup c'est un bon clip ou pas, mais après on va analyser ensemble. Voilà. Donc vous avez regardé l'équipe, hein? Donc voilà, c'est un beau clip en tout cas. Je pense que le son est magnifique, le son aussi adorable. Donc, mais on verra après si le clip est sorti, on va analyser bien. Maintenant, on va parler des bombes de Saint-Fombaldé, les bombes nucléaires que Saint-Fombaldé est en train de préparer. Donc les gars, il est en train de préparer toujours des clips qui va sortir bientôt. C'est magique. Oh my voilà, God, il veut huiter ma roue. Oh my God, il veut huiter ma roue. Oh my God, il veut huiter ma roue. Oh my God, il veut huiter ma roue. C'est un zénith. Regardez son featuring déjà avec l'artiste Djeba, l'artiste sénégalais. C'est même pas fini. Là, il prépare un nouveau clip qui va sortir bientôt. Mais Saint-Fombaldé, qui est Saint-Fombaldé? Je pense que cette année, il va rafler tout. Hein. Cette année, en tout cas, c'est lui qui va remporter le meilleur artiste guinéen, le meilleur artiste aussi en Afrique de l'Est. Parce que Saint-Fombaldé, c'est un vrai artiste. C'est pas Dimana Mana. Les gars, il prépare un nouveau clip. Même son featuring là n'est pas fini. Là, il est en train de préparer un nouveau clip aussi qui va sortir. Mais Saint-Fombaldé, qui est-il, mon frère? Qui est-il? Combo d'art au Hikaya Saint-Fombaldé. Quand on y a un climat, la famille, climat, on prépare de quand on y a un parce que au climat, quand on y a 300 vies, il y a 3 jours, 4 jours, il y a 300 vies. Donc, journée, 1 million de vies, 4 jours ou 3 jours. Là aussi, il ne faut pas oublier aussi les concerts de Saint-Fombaldé. Les concerts de Saint-Fombaldé pour sortir son premier album, en tout cas, le 19 novembre. Donc, préparez-vous, acceptez les tickets et préparez-vous. Ça se passe au stade Nongo, la famille. Donc, les concerts de Saint-Fombaldé pour dédicacer son premier album qui va sortir, l'album de l'année, parce que ça sera l'album de l'année. Excusez-moi, ça sera l'album de l'année, la famille, parce que Milan Andy fait un logot à la Dara Diyesomako. Donc, je parle les Guinéens seulement qui me suivent. Donc, allez-y, si vous ne connaissez pas Saint-Fombaldé, je vous demande d'aller taper sur YouTube. Vous allez voir les magnifiques des clips de Saint-Fombaldé. Et vous allez écouter aussi des mélodies, la famille, parce que Saint-Fombaldé, c'est un génie des mélodies de la musique africaine. Donc, c'est comme Diamant Place. Je vous dis, donc, c'est le Diamant Place d'Afrique de l'Ouest, Saint-Fombaldé. Donc, je vous conseille d'aller écouter. Là, il va préparer son album. Et du coup, ça sera, en tout cas, je pense que ça sera, en tout cas, le meilleur album en Afrique de l'Ouest. Oui, la truc, le meilleur album en Afrique de l'Est. Donc ça sera truc l'album de Saint-Fombaldé, mais on verra après. On verra après, mais les concerts de Saint-Fombaldé c'est 19 novembre au stade
de Nongo. Donc préparez-vous, les fans de Saint Fombalde, allez-y acheter les tickets et allez-y surtout pour soutenir l'artiste parce que il fait un bon travail, donc je pense qu'il mérite d'être soutenu, il mérite d'être envoyé vraiment très très loin parce que c'est un artiste qui se bat pour la culture guinéenne, c'est un artiste qui se bat pour la musique guinéenne, c'est un artiste qui se bat pour valoriser surtout les artistes guinéens, donc c'est un artiste qui donne l'exemple à tous les artistes guinéens, soi-disant qui travaille et pour ramener la musique guinéenne, pour ramener des trophées. Je pense que ça sera bon, le premier artiste guinéen qui va ramener beaucoup de trophées en Guinée. J'ai confiance à Saïf Mbalde et aussi soyez confiance à Saïf Mbalde, il ne faut pas hésiter d'aller en tout cas partager ces clips qui va sortir et surtout en ce moment comme il a sorti un featuring avec Djeba l'artiste sénégalais, allez-y lui donner des forces pour atteindre 1 million dans 4 jours, c'est normal parce que c'est un gars qui se bat pour la musique guinéenne, c'est un gars qui montre l'exemple à tous les artistes guinéens soi-disant que voilà, on doit être fier des artistes guinéens et il doit travailler pour ramener en tout cas des trophées en Guinée, donc c'est très important de valoriser les arts des artistes qui se battent pour la culture guinéenne, qui se bat pour valorisation de la musique guinéenne, donc c'est très important, donc je conseille à tout le monde d'aller acheter les tickets de Saïf Mbalde le 19 novembre au stade Nongo La Famille, vous tous vous êtes invités d'aller participer, en tout cas les concerts ça va être un concert magique parce qu'il y aura plein d'artistes africains et il y aura plein d'artistes guinéens aussi, donc vous allez s'amuser, donc voilà, vous allez en tout cas danser et vous allez rigoler, donc ça va bien se passer parce que c'est Saïf Mbalde les gars, il a une style particulier prière et aussi donc ils savent comment faire la fête, donc allez-y, vous n'allez pas regretter, excusez-moi, et du coup vous allez se marrer, et du coup merci beaucoup et je vous dis de partager et de liker et surtout de s'abonner sur mon chaîne YouTube et du coup aussi de liker et on se dit excusez-moi, à demain, il y aura une nouvelle vidéo et du coup ciao ciao bella ciao, merci.